Sandrine Corona, je suis la directrice de l'école La Véranderie. Bienvenue dans mon école. L'école La Véranderie est une école qui compte 210 élèves et nous avons actuellement ajouté une pré-maternelle et nous comptons 17 élèves. C'est une école qui est orientée vers la famille et la communauté, dont nous recevons des personnes qui viennent de partout au Canada, de l'Alberta évidemment, mais aussi de l'extérieur du pays. Alors nous avons de plus en plus d'élèves qui viennent d'Afrique ou d'Europe et l'école grandit petit à petit. Alors c'est une école qui est extrêmement multiculturelle. Souvent les enfants parlent deux voire trois langues et ce sont des enfants qui apprennent assez facilement puisque ayant plusieurs langues déjà à la base, pour eux l'apprentissage des langues devient plus aisé. À l'école La Véranderie, nous recevons des enfants qui viennent de différents pays, donc de différentes cultures, et forcément c'est un enrichissement. Être capable de mettre tous ces enfants les uns avec les autres, ainsi que les enseignants, parce que mon équipe aussi vient de milieux différents, automatiquement c'est un apprentissage qui est plus large, un enrichissement évidemment, on apprend les uns des autres, et surtout c'est une ouverture d'esprit. Ce que je veux à l'école La Véranderie, c'est des enfants et des familles qui sont capables de s'accepter avec leurs différences et qui sont capables de vivre les uns avec les autres. Et l'idée de communauté, famille, école est pour moi primordiale. Donc en accueillant ces familles et ces enfants dans mon école, c'est automatiquement un moment de partage, mais aussi la façon d'apprendre différemment et plus loin. La plus grande force de notre école, premièrement, c'est notre équipe, parce qu'on a une équipe absolument extraordinaire avec des professionnels triés sur le volet, puis des enseignants spécialistes, des enseignants généralistes. Évidemment, c'est le rapport avec la famille. Le rapport est extrêmement proche. Je veux connaître toutes mes familles et c'est la même chose pour mes enseignants. Alors la communication est primordiale. Évidemment, l'autre élément qui pour moi est essentiel, c'est la proximité de la communauté. Nous sommes un centre scolaire communautaire, ce qui fait que la triangulation famille, communauté et puis école est absolument représentée et très peu d'écoles ont cette chance-là. Alors pour nous, communiquer les uns avec les autres devient facile et nous avançons beaucoup plus vite avec tout cela. Donc on a cette chance-là. On a cette chance, on en profite, on est capable d'organiser énormément d'activités. Les enfants peuvent parler en français à l'extérieur de l'école et nous ne serions pas capables de le faire si nous n'avions pas toutes ces... la CFA, si nous n'avions pas Cinémagine, si nous n'avions pas toutes ces associations qui nous aident à mettre en place finalement ce que nous voulons pour nos enfants et pour les enfants de demain. Et ils ont tout ça à l'école La Véranderie, ils peuvent vivre en français à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école. Alors ça c'est un plus énorme.